Il fallait expérimenter pendant plusieurs années sur scène un répertoire pour arriver à en construire un qui me semble non pas plus équilibré, mais plus mûr. Magnifique que voilà, qu'Éric Marchand se retrouve à chanter sur Moonshiner, tel un rocker, c'est tout à fait improbable. Ou alors, chose encore plus improbable, qu'on en arrive à faire un blues ensemble. Il chante magnifiquement blues, mais il fallait le pousser un peu. C'est quelque chose qui, voilà, c'est normal, on a une espèce de réticence, de pudeur. Il y a quelque chose de fantastique dans ce studio, c'est qu'il y a la cuisine et le studio dans la même pièce, et ça c'est extrêmement convivial. Et ça, c'est rarissime. On a une nouvelle composition d'artistes par rapport au premier album. C'est que là, on a un basse-batterie, mais pas uniquement, puisque Julien, qui fait la basse, fait aussi du clavier. Et donc, qui dit clavier, dit basse, synthé, mais aussi pas uniquement, aussi des claviers lead, etc. Donc ça enrichit. Et puis, Pauline à la Gadunka qui ramène encore un autre univers, un instrument à archer très profond. Le grand thème, c'est la modalité, quoi. C'est toutes les musiques modales, que ce soit orientale, que ce soit d'Europe de l'Est, que ce soit les musiques de chez nous, là, plus la Bretagne évidemment, dans le travail d'Éric, mais Éric il a une connaissance beaucoup plus large. J'ai quitté la boîte et j'ai quitté la ville, j'ai jeté les dés et j'ai choisi le nord. Je l'ai vu de loin. Enregistrer ensemble, c'est y a pas mieux, voilà. Donc parce qu'il y a des accidents qui se passent, chacun se voit, c'est réellement un partage, donc il peut que se passer des choses intéressantes musicalement. Chacun est un peu dans un terrain qu'il adapte, enfin avec son parcours, avec ce qu'il connaît comme musique, adapte son jeu à ce projet-là. Qui n'est pas forcément la maison quoi, pour les musiciens qui y jouent. Pour moi en tout cas, c'est pas, je ne suis pas très habituée à faire ça, à jouer avec du gros son, avec une esthétique quand même globalement plutôt rock. Ce qui est spécifique à ce nouveau projet avec cette équipe, c'est que il y a quelque chose aussi de un tout petit peu plus moderne dans une approche. On remélange aussi autre chose, c'est-à-dire plus de musique actuelle. En assumant aussi ce qu'on est, tout en étant ouvert à ce que dit l'autre et en essayant de discuter. Non pas en essayant de parodier la forme de l'autre, mais en étant... C'est ça qui est passionnant. Après, j'en ai fait d'autres avec des musiciens d'Ouzbékistan, etc. Où il n'y a apparemment pas de terrain commun et où en fait un terrain commun se trouve. Et le terrain, c'est ce qui est merveilleux avec la musique quand on a affaire à des vrais musiciens et qui sont eux-mêmes ouverts.